Bienvenue tout le monde de nouveau sur les Sims 4 en compagnie de notre cher geek à l'alouette qui va pas tarder je pense à se réveiller vu qu'il est déjà tôt le matin et qu'elle de... Oh mon dieu, et qu'elle ne devrait pas tarder, mon dieu je sens qu'elle va avoir un accident. Très mal à l'aise. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, tu vas aux toilettes, aux toilettes. Ça commence fort. Dépêche-toi. Oh mon dieu que ça commence fort. Et normalement elle va entamer son premier jour de boulot. Attends, attendez. Oh mon dieu, c'était chaud de night. Améliorer sa compétence cuisine. Bah y a pas de souci puisqu'il faut que tu te prépares un petit déjeuner si je ne m'abuse. Ouais, tu vas peut-être pas manger des macaronis au fromage dès le matin, quoique pour faire du sport ça peut toujours être bien. T'as des chips dès le matin, tiens, allez hop. Un truc au pif. Des chips. Petite ellipse, je vais juste faire une toute petite modification. Voilà, j'ai un tout petit peu modifié. Oh, je baisse le son. J'ai un tout petit peu modifié le truc en supprimant quelques murs pour avoir la sensation d'un espace un tout petit peu plus ouvert. Et je sens que le premier jour de taf va être assez épique parce qu'elle... Attendez. Ah, dans 24 heures. Ah ouais, donc elle n'est pas encore au boulot. D'accord. Quoi ? Opératrice par message instantané, joue aux jeux vidéo pendant 4 heures. Ça, c'est du boulot. Ça, c'est un sacré boulot. On ne se rend pas souvent compte. Mais c'est tout un sport. Alors, enlacer quelqu'un, débattre des capitaines et améliorer sa compétence cuisine. Ça, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Très correct. Théo, cocotte, tu vas me faire ta vaisselle illico presto. Merci. Un peu de tenue, enfin, zut. Tu vas par contre... C'est quoi, ça? C'est quoi, ça, par terre? Ah oui, la grenouille, oui. Oh, je l'avais complètement zappé. Tu vas aller me prendre un bain. Même si je suis dans les Sims plutôt fan des douches, parce que je trouve que c'est plus rapide, là, pour le coup, tu vas prendre un bain. Et nous allons un petit peu observer, voir... Alors, attendez... Elle est à l'étage, non ça sert à rien, il n'y a pas d'étage. Commande de la caméra, je veux incliner le plein. Non, pas pour zoomer. Non? Bon, tant pis. C'est pas grave, on va juste attendre. Non. Ah, on va juste attendre qu'elle finisse son bain, elle a l'air de s'amuser dedans. Une vraie gamine. Et après, on va aller essayer de rencontrer d'autres gens. Non. Voyons voir. Quels gens pourrait-on te faire rencontrer? À moins que tu n'ailles faire un tour en ville. On va lui faire faire un tour en ville pour voir comment elle se débrouille. Je pense que ça peut être funky. Oui. Bon, prends ton bain, pense à te laver au lieu de jouer. S'il te plaît, dépêche-toi. Joueuse, ouais, ça c'est sûr, j'avais pas vu, dis donc. Pam 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 pam. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Être malicieuse. Mm-hmm. Alors, quels sont ces deux jeunes hommes là? Ils ressemblent à Gilles. Pas tout à fait, non, il manque les lunettes. Toi, présentation amusante. Ils ont l'air de parler de cupcakes, ça a l'air fort intéressant. T'es toujours dans ton bain. Voilà, tu es propre. Alors sors. Oh mon dieu, mais... C'est accoutrement. C'est accoutrement. Allez, vas-y, petit footing, petite foulée. Vincent... Vincent, d'accord. Bonjour Vincent, alors. Comment vas-tu ce matin? Ça a l'air de marcher, bon. Faire un imbécile. Ça a l'air d'être un comique. Oh oh, ça a l'air de plutôt bien passer, dis donc. Faire une imitation pour voir, tiens.
Flurbindorf, on m'a dit Flurbindorf. Eh ben, non, 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 non. Il a l'air plutôt. Tu fais quoi, mec? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attaque pas là! Qu'est-ce qu'il fait? Mon dieu! Bon, il y a eu une coupure. Et ça, c'est typique au PC des Windows 8. Yaflor Trib. Vips Wabitabe. Tharb Thenig. Sabade Bana. Plus de choix. Amical plutôt. Eh, vas-y, fais connaissance. Prom Pampe. Who's like Jeff now? Pamp Farmu. Nibahana. Wograchog. Go Larga. Oh, c'est un romantique. Intéressant. Ma biche. Wogra, Vimpa, Kim. Mais oh, que fais-tu là? Mais qu'est-ce que tu fais? C'était bien parti, mon dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Excuse-toi tout de suite. Oui, par voilà, parle de jeu, peut-être que ça va essayer de lui remonter le moral. Mon dieu, Amy Winehouse vient de passer là. Muska Trib, Yaflopopgor. Arveni Zonxo. Blahuyaka. Bon. Snibara Watanini. Débattre décapite. Zitorb. Prompt Hampe. Who's like Jeffra? Yakilo Brew. Et pourquoi je lui crierais dessus? Gotha. Quas? Husao. Tonkupu. Oh mon dieu, jouer un tour avec la poignée de main vibrante, oh mon dieu, qu'est-ce que ça va donner ça? Qu'est-ce que ça va donner? Allez. Zapula. Je sens que ça va être quelque chose. Je rêve, il a aimé! Parce que c'est un immature! Oh, ça pourrait être intéressant comme relation, ça. Taquiner de manière malicieuse, tiens. Oh, oula, Oui, oh, zut. Oh. Rattrape-toi immédiatement. Oh, mon dieu. Oh non, à la fin, maintenant. Sabini Jabid, Turb System, Shema Corbif. Non, vous discutez de quoi? Lemphi Nulitz, Zappin Quar, Gorbani. Oh, elle a déjà faim! Mais quelle goinfre cette fille! Ça se voit que c'est une geek! Allez, tu vas manger des. Hamburgers! Non, attendez. Tap. Stop! Non, stop! Stop. Manger une. Non! Non! What? Environnement déplaisant? Faut savoir. Oh non, il est parti. Non, il est parti! Flûte! Est-ce que t'as au moins réussi à avoir son numéro? As-tu eu son numéro? Je n'en ai pas l'impression. Le téléphone. Où est le téléphone? Emma, Florent, Sonia, Vincent. Ah si, quand même, envoyer un SMS. Voir comment il réagit. Ah tiens, vas-y, va prendre une portion, peut-être que quelqu'un va venir te rejoindre. Ah, ça a l'air de s'arranger. Vladimir, mon dieu. Ah, il y a sacré pote, on pourrait refaire la partie un tant soit peu ratée de la dernière fois. On pourrait essayer d'en faire une meilleure. What? D'accord, ok, c'est de la nourriture gâtée, super. Eh ben, tu vas améliorer tes compétences culinaires en te faisant un hamburger. Non, arrête de manger ça, c'est dégueulasse. Dégoûtant, pardonnez-moi. Non, parce que là, non, si c'est de la nourriture gâtée, autant ne pas la manger. Hein. C'est sympa, je trouve,
d'habiter à côté d'un parc avec des barbecues. Je suis même pas obligée d'en acheter un pour l'instant. Je comprends pourquoi tout à l'heure elle aimait pas l'environnement. Oh, Nib. What? T'es encore pas contente, mon dieu. C'est les poubelles qui te gênent? Super. Ça, c'est un point positif. Oh mon dieu, attends, c'est lequel? Bah, prendre une portion, ouais, je vais pas ne pas goûter le mets que je viens de préparer. Allez, goûte-moi ça, je suis sûre que c'est bon. Ça a l'air de te plaire, en tout cas. Alors, ensuite, on va aller te faire faire un petit tour en ville, ma vieille, parce qu'il faut que tu te sortes. Alors, c'est quoi ça? Améliorer sa compétence programmation. Oui, ça devient potentiellement urgent. Mais ils ont tous déserté le coin, ou bien... Ouais, ils sont tous partis. Sauf quelques personnes. Allez, dépêche-toi de finir, qu'on puisse aller te faire faire des petites courses. Quelle tête as-tu quand tu manges? Ça m'intéresse de voir. Waouh, t'as l'air de t'éclater. Waouh. C'est la super éclate. Pourquoi tu jettes pas ça, tout simplement? Pourquoi tu jettes pas tout bonnement la nourriture? Au lieu de râler. Ah! What? Oh, il faut savoir! Mon dieu, mais... Vas-y. Alors... Est-ce qu'elle peut... C'est bête que ce soit pas comme dans les Sims 3. C'était beaucoup plus rapide que des trucs de chargement. C'est vraiment... Enfin, je dirais le premier point négatif du truc. Parce que ça n'est pas... Comment dire? Allez, en boîte de nuit. Partir avec... On va continuer avec Vincent. Il m'a l'air sympathique, ce bonhomme. C'est le seul point positif que je trouve... point négatif que je trouve à ce jeu, c'est qu'il y a un écran de chargement. On a régressé vis-à-vis des Sims de ce côté-là, même s'ils ont voulu tout miser sur les personnages. C'est vraiment dommage qu'ils aient enlevé le truc nouveau qu'ils avaient apporté dans les Sims 3. Pouvoir se déplacer comme bon nous semble sans écran de chargement. Je trouve ça vraiment dommage. La soirée te semble bien, hein, futur chéri. On va commencer à discuter un peu, faire connaissance. Wow, mais il y a du people qui arrive là. Il est fou lui aussi. Cela me semble intéressant. Qu'est-ce qui m'énerve? Oh tiens donc, tu vas t'exercer au piano, ma vieille. Je pense qu'ils pourraient faire un beau couple si jamais ça marchait. Je pense. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, insulté! Ça va pas la tête! Allez danser! Va faire du piano plutôt pour aller danser. Je rêve. Ah, j'ai cru qu'il était pieds nus. Oh oh! Son œil gauche là, qu'est-ce qui lui arrive là? L'œil qu'il y a sous la mèche, qu'est-ce qui lui prend là? C'est un bug aussi, moi qui vois mal, mais. Flirter. Dans une humeur enjôleuse, c'est déjà bon signe. C'est ça, la boîte de nuit. Ouais. Je crois plutôt que... What? Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est pourtant pas une grande artiste, mais apparemment, elle a l'air de se débrouiller puisqu'il se met à danser. Quoi? Comment ça, bah... Wow, c'est quoi ce changement d'humeur, là? Serais-tu un peu bipolaire, ma vieille? Il y a l'air d'y avoir plus de monde. On va aller se boire un verre.
commander une boisson. Alors, il y a quoi comme choix? Jus de Cupidon. Sel ardent piquant. On va le tester celui-là. Ils ont l'air d'aimer le piano apparemment. Pourtant, c'est vraiment du truc de débutant là. Trois personnes? J'ai un public! Geekette a l'air d'avoir du succès au piano. Insécurité musicale. Tout le monde est irrité? Bah, j'ai pas l'impression parce qu'ils ont l'air d'aimer. Ils ont l'air d'aimer. Il y en a un qui danse, bon, certes, mais ils ont l'air d'aimer. Écoute, il n'y a pas de chenifi dans cette boîte de nuit, c'est vraiment limite un truc de cabaret, quoi. Eh bien, ouais, on va aller rejoindre notre futur chéri. Il continue même de danser alors que j'ai arrêté de jouer, quoi. Ça, c'est fort. C'est très fort. Allez, parlons cuisine, les enfants. Ma foi, pourquoi pas, oui. Allez, Vincent, assieds-toi côté. Ouais, super. Oh, sacré brochette de sim, j'adore ça. Alors, tiens donc, allez hop, se renseigner sur la vie amoureuse. Et tu pries. Je suis sûr que t'es célibataire. Oh, c'est quoi cette tête là, Geekette? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va s'asseoir. D'accord. Est-ce que tu trouves que c'est plus près? Plus de choix, amour. On va essayer de draguer. Ça, c'est génial de pouvoir discuter avec vraiment... Oh, fichtre, l'escalier me gâche tout, là. Avec plusieurs cimes à la fois, je trouve ça excellent. Oh! Ça a l'air de le faire! J'ai oublié juste un tout petit truc. Gameplay. Autonomie totale. Voilà. Parce que je les avais désactivés. Bon, on continue à le draguer. Wow! Prendre une pose sexy, allez, soyons fous! Va pas draguer l'autre à côté, ça c'est pas le but. Rencontre incommodante, mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle lui a fait là? Qu'est-ce qui s'est... Oula, oh mon dieu. Oh, rattrape le coup tout de suite. Parce que là, ça n'a pas marché. Quoi faire? Malice, je sais pas. Allez, on va refaire le coup de... Oh mon dieu. Se donner des paroles encourageantes devant le miroir. Chouette soirée. Magnifique. Embrassez-vous. Ah, vas-y, illumine sa journée, même si on est déjà en fin de soirée. Flesh, hando. Super. Par contre, je sens que tu vas avoir un incident si jamais tu ne vas pas tout de suite aux toilettes. Ah, pourquoi c'est toujours dans ces moments-là que les Sims ont besoin d'aller aux toilettes? Et il n'y a pas de toilettes dans cet établissement ou c'est à l'étage? C'est à l'étage, oui. Alors, dépêche-toi d'y aller avant qu'il y ait un incident, que tu te payes la honte de ta vie devant le futur homme qui pourrait très bien partager ta maison. Attends, je rêve, elle dit devant lui qu'elle ne l'aime pas. T'as pas peur de te faire taper dessus, toi?
Dépêche-toi. Non. Va vite aux toilettes. Vite, va aux toilettes. Dépêche-toi. Dag, dag. Hey, excellent, super. En plus, on attrape une compétence en plus. Il a l'air ravi de sa journée. Tu te presses pas plus que ça. Hein. T'as l'air d'avoir une envie pressante, mais ça va. Quoique, ouais, tu serres les jambes, c'est qu'il y a un problème. On va peut-être te rentrer en... Je sais pas. Est-ce que elle rentre tout de suite ou... Dans 11h, je commence à quelle heure? À 10h? 10h... Pom 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 pom. Est-ce qu'on a besoin de se faire des connaissances en plus ou on attend peut-être ça pourrait faire une bonne soirée. Je pense que je vais la faire rentrer. Voilà.